Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Fidèles au sang, ces hommes et noirs, Taïmada, Chinotwene. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums du corps. France, contactez-nous au plus 33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. C'est un honneur de vous retrouver. Hier, l'actualité tournait autour de Matata Ampognon. Bon, c'est vrai que je ne voudrais pas rester sur la question. Je ne la trouve pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Encore qu'il faut avoir tous les éléments du contour parce qu'au Congo, quand on est politicien, on ne peut pas être, questionné, on ne pose pas de questions, on ne cherche pas. Donc, quand on est politicien au Congo, c'est comme ça. Donc, si je veux voyager, je voyage comme je veux, même si je n'ai pas de documents qui conviennent, même si je suis pas en règle avec la justice, même lorsque mon affaire est en cours, je peux me déplacer sans l'autorisation du tribunal ou l'autorisation de la cour. C'est ça notre manière de voir les choses. Malheureusement, ça, les Congolais. Quand on est politicien au Congo et qu'on a un problème de santé, il faut se faire soigner à l'étranger. On ne peut pas se faire soigner ici, il faut aller à l'étranger. Et il faut médiatiser tout refus, il faut tout médiatiser. Et c'est ça la mentalité malheureusement congolaise. Bon, que voulez-vous? C'est comme ça, on est né dans ça, on a trouvé ça. Maintenant, il faut corriger parce que c'est important de le faire. Mais entre-temps, les libertés fondamentales, les libertés individuelles, les droits fondamentaux, sont finalement des choses avec lesquelles on ne peut pas négocier. Il faut que ces libertés, que ces droits soient véritablement respectés, mais toujours dans le respect de la norme. Mais je voudrais vous faire une petite réflexion, si vous voyez les choses comme moi, ou si on est en train de regarder dans la bonne direction. Mesdames et messieurs, la région, la sous-région est en train de connaître un essor, mais malheureusement, la RDC continue à traîner un peu les pieds. Ce que vous allez voir, c'est que le Rwanda s'affirme chaque jour comme un État, s'affirme chaque jour comme une puissance. Ça va faire plusieurs années que le débat communautaire ne se pose vraiment pas comme ça se passait avant. Je ne dis pas que ça a cessé complètement, mais le débat communautaire qu'il y avait avant, le conflit communautaire qu'il y avait avant, aujourd'hui au Rwanda, ils n'ont plus ça. Les Hutus et les Tutsis apprennent, soit dans l'hypocrisie ou dans, je ne sais pas comment, mais en tout cas, ils trouvent le moyen de vivre ensemble. Et on sent qu'il y a une certaine volonté de bien vivre. Et c'est comme ça. Si vous allez au Burundi, il y a un élan aussi. Après l'ancien président, on a maintenant une nouvelle manière de voir les choses. Il y a un nouveau leadership qui se dessine au Burundi. Vous pouvez bien voir, le leadership est accentué vers l'agriculture, même si les images et les photos qui font le tour, c'est les photos du président, ce que moi, je n'aime pas beaucoup, parce qu'après, ce n'est pas un président qui va nourrir tout le pays, il faudrait que ce soit un système qui pourra être perpétré, même après lui. Mais cela n'empêche pas qu'on puisse voir l'élan. En termes des routes à desserte agricole, Burundi se fixe un objectif important de relier tout le pays du Burundi par la route. Et on peut voir qu'il y a déjà une vision, et cette vision est accompagnée. Il est vrai que la vision n'est pas toujours comme on veut, mais au moins le pas de démarcation est fait. Et on sent au moins qu'il y a un certain ordre. En Ouganda, n'en parlons même pas, parce que l'Ouganda, la discipline et l'ordre, au moins dans certaines villes, sont respectés. Ailleurs, bon, peut-être dans la capitale, à Kampala, on sent qu'il y a un petit recul, mais on peut voir calmement que ici les gens respectent au moins quelque chose. Alors, si vous allez dans les autres pays de la région, vous allez vous rendre compte qu'ils ont développé cette mentalité-là. Et ils ont compris qu'il n'y a pas de développement sans infrastructures. Ils ont compris ça. À Brazzaville, vous pouvez faire Pointe-Noire, Brazza,
par route. Nous pouvons faire ça aussi. On peut faire, si on prend la même chose, on peut faire Mwanda, Kinshasa, la route par route, on peut le faire. Et la route, il faut le dire, elle est bonne. Mais seulement que la route qui est bonne chez nous, mais la route n'est pas encadrée et la route ne parle pas. Alors qu'ailleurs, vous trouvez que la route parle. La route parle par les signaux, par les panneaux de signalisation, par les tracés, par tout ça. La route parle en fonction de cela. Mais ailleurs, on sent qu'il y a une véritable volonté de faire mieux. Mais chez nous, on sent qu'il y a un petit retard. C'est vrai que les gens vont dire, non, le Congo est grand, il est vaste, on ne pourra pas tout faire. Il ne faut pas qu'on se compare aux autres pays. Le problème, ça n'a jamais été dans la grandeur de pays. Le problème n'a jamais été dans la superficie de pays. Le problème a toujours été dans l'ordre et la discipline que ce pays s'est fixe. Est-ce que nous sommes dans l'ordre ou dans la discipline? Est-ce que nous voulons véritablement travailler ou nous faisons encore le surplace? Alors, si nous décidons d'aller de l'avant, on aura une manière à nous de faire. Et cette manière va montrer aux gens que « Oyo, Balingi Penaba changer ma campe ». Et nous, nous sommes passés à côté des vrais changements. On a un changement de l'Obara. Et là, un changement miké. Et qui a impacté ma mort, tout place, tout partout, ça, tout le monde. Au moment où il y a un peu de zéro trou. Qui est zéro trou. Comptez sur moi, mesdames et messieurs. Si vous le président Félix, vous avez un mandat, qui est zéro trou, on négocie la thé. Et aussi la thé, pourquoi? Parce qu'ils ont à peine perdu. Je vais vous dire pourquoi ils ont à peine perdu. Ce qui, le mandat qui atana, identifier bah grandes avenues où il faut qu'on réhabilite bah grandes avenues où il faut qu'on réhabilite on allait changer beaucoup de choses ça c'est les un de deux ce que tu vois qui deuxième position tout désengorger car la route y a minéné mais aux arbres secondaires on ne prendra peut-être pas toutes les routes secondaires de Kinshasa mais on prend par exemple 40% ou 30% bah effet de la Makassi parce que les études allaient être menées. Ingénieur Moula, ingénieur Boussi, ingénieur OVD, il y a office de route, ainsi de suite. Réfléchir. Par exemple, il y a toujours ça, dessin, parce qu'après, c'est beaucoup, le monde est beaucoup plus simple s'il est dessiné. Lorsque vous avez, on prend Kinshasa comme quatre coins, par exemple. On a les quatre coins comme ça. On se dit, quel est le milieu le plus fréquenté, qui a le plus de trafic? On dit, par exemple, les alliés du point A. Parce qu'on fait A, B, C, D, par exemple. On dit le point le plus fréquenté, ils ont du mouvement, il y a Tolwangan A, pour que tu aies, par exemple, la B. Il y a beaucoup, le plus grand trafic, il y a par exemple A, na B. Le second trafic, il y a par exemple D, na C. Ou B vers, ou D vers B. Oh, donc, ce qui est A vers B, il y a allié premier trafic. Par exemple, D vers B, il y a un deuxième trafic. Et C vers B, il y a un troisième trafic. Donc, on va aller doucement. Maintenant, on va prendre, par exemple, A vers B. Bon, A vers B, balabal ligne les alliés minés. Non, balabal le kangamagata. Je donne des exemples seulement. Il y a, par exemple, Lumumba. Il y a, par exemple, Kitambo. Il y a, par exemple, le boulevard. Il y a, par exemple, Willery. Bref, il y a balabal au moment où il y a un kangamagata. Mais non, est-ce qu'il y a balabal là? Il y a des routes secondaires? Oui, il y a des routes secondaires. Avenue, par exemple. Oh non, avenue, je donne toujours des exemples hein, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Oh non, par exemple, avenue Kabongo, il y a un moment où on a la difficulté. Avenue Kabongo, Koufa, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème dans l'avenue Kabongo? Quel est l'incident? Ce qui est c'est avenue Kabongo, tu relies convenablement, est-ce que vous allez? Bateau, batangeli, makabouana, bah, vous savez, nous, le bi. Ce qui est relié, balabal là, on a avenue, on a Bozong, si on a, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que, au lieu de l'embouteillage, il y a 100%, bro, qui est embouteillage, quand on a balabal là, on a atteint 20%. En fait, quand on dit que bah, réduire l'embouteillage, il y a 20%, ça veut dire que le conducteur ne sent pas qu'embouteillage est complètement, mais il ne rencontre plus de bouchons comme avant. Il va le voir dans montre, on a, ah, on a les 7 heures. Après, on va calculer. Non, non, mais 7 heures. En bout de temps, je roule à 1h30. Non, comme on compte à 9h30. Mais ce jour-là, il sort, il se rend compte qu'il n'a fait que 45 minutes dans Zela au lieu de 1h30. Dans son subconscient, déjà, il y a quelques changements. Au moment où il a réajusté, tant de programmes n'aillé. Si tu seras à Bimaranda pour 6 heures, il va se permettre de sortir à la maison à 6h30. Donc, quel est l'impact qu'il y aura là-bas? Il reste avec sa femme, il reste avec ses enfants, il repasse un peu le temps. Ça lui donne un peu plus de mouvement, un peu plus de bonté, un peu plus d'énergie, un peu plus Macamboa bien. Ce qui fait que la personne va quitter la maison remplie de bonne énergie, puisqu'il a parlé avec sa femme, puisqu'il a parlé avec ses enfants, puisqu'il ne court pas, puisqu'il n'a rien oublié. Il va affronter la route calmement, tranquillement, les nerfs sont calmes et il va arriver au bureau. Ça peut même impacter sur son travail. Parce que quand quelqu'un sort de chez lui à la maison, surchargé, il sort chez lui à la maison en courant parce qu'il ne veut pas rencontrer un embouteillage. Il est nerveux, il est tendu. Et quand il rencontre la route
un peu bouché, il est très nerveux. Quand il arrive au boulot, il ne donne pas le meilleur de lui parce qu'il a dépensé le maximum de son énergie Nabalabal en train d'affronter les embouteillages. Or, si on règle cette petite problématique-là, Nabalabal, on a le Yaka Bongo, par exemple, on a le Bongo Siango, Bartunez, on a le Bongo Siango, Balabal, on a le Yaka Bongo, Balabal, on a le Bongo Siango, c'est bon déjà. Parce qu'il y a des gens qui sont obligés de prendre la route Moussousou. Parce que Kourande est là-bas, ils sont praticables. Les autres, ils sont praticables. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tu as surchargé Balabala Moko, alors que Balabala Moussou Tika est dans le bongo. Or, ce qui va désengorger Balabala Wana, la voix principale est aux sollicité ma cassité. Qui dit la voix qui n'est pas sollicitée dit la circulation libre. Et circulation libre, ça veut dire que tu vas gagner ton temps avant. Parce qu'un pays doit fonctionner en termes de temps. Le pays a besoin de la compétitivité, le pays a besoin de la production, mais ça part par rapport au temps. Mais si nous prenons tout notre temps dans les embouteillages, si on prend tout notre temps dans les trafics, mais personne ne va être performant, personne ne sera performant parce qu'on sera nerveux, on sera tendu, on perdra l'humeur, tant que nous sommes là, donc ce qui fait que, ce qui va bon ici par exemple, Balaka Bongo, en bout de sécurité, il y a 20%. Mais va-t-elle habiter? Balabala, Moussou Soupé, il y a Kassine du coup. Balabala, il y a Kassine, c'est Bongo Siango. Et vous avez la même chose. Alors imaginons que, quand on a un trafic qui est A vers B, Bongo ici, ceux qui ont 15 routes secondaires, ils ont qui peuvent désengorger Balabala. Mais Bongo ici, il y a 8 seulement. Mais vous allez voir vous-même comment ça va se passer. Vous-même, vous allez voir que, oui, 8 routes secondaires, ils ont désengorgé. La route principale, on n'en a plus besoin. Donc, parce qu'il y a des gens qui sont à point A. Il y a des gens qui, par exemple, sont à point F. Mais pour qu'il y ait un point F, il fallait qu'il y ait un point C, un point D, un point E. Pourquoi pas? Or, ceux qui sont liés là-bas, pour désengorger là-bas, il n'aura même pas besoin de faire tous les détours. Donc, on peut faire ça comme ça. Et vous allez voir, si on fait la même chose, le même principe, dans tous les autres, ou toutes les autres, on n'aura même pas besoin de parler des Yabout, King Zero Trou. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que quand on aura désengorgé la balabala, quand on n'aura même pas créé d'autres routes, hein, mais quand les routes existantes, soit on les élargit, soit on les ouvre, soit on les canalise convenablement. Incident nango, topé effet majeur ya malamu et kozalanini et kozala que bougi au kanga route principale pour que bozi pas batrou sans que bo baby sa trafic. C'est comme ça que ailleurs on fait. Avant bo kanga balabala mo ya munene, bo bongi sur balabala miki, bo sali va déboucher. Comment ça, Balabala Mounene, vous savez convenablement. Mais ceux qui vous kangi Balabala Mounene, parce que Bino Bolingo, ça a zéro tour, vous créez un autre problème au lieu de le résoudre. Parce que vous allez ralentir davantage une route déjà, un trafic déjà ralenti. Donc il y a des moments où si nous voulons véritablement changer les choses, ce n'est qu'une question d'étudier les dossiers. Mais quand on a besoin d'argent, vous allez voir que bah, vous perdre Mbongo dans la King 03, vous perdre Mbongo et Bélé, vous allez permettre de vous balabala. Mais comme les gens ont besoin forcément de s'enrichir, ont besoin forcément d'avoir de l'argent, ils vont persister dans le dossier on a Kinshasa 03, ils vont persister dans le. Pourtant, il y a une autre intelligence, on peut faire ça. On peut faire autrement. Kinshasa, moi, ça m'étonne beaucoup. Hein. Le gouvernement est à l'ongoli ba mabele na ba terrasse. Azu mabele na terrasse, à l'ongoli yango, une très bonne chose. Mais tiki yango wana. Abo sani nae. Il est à l'ongoli ba ma potopoto ache na balabala, azipi rigolte, azipi ba terrasse te, atiki ba mabele wana na ba plastique dans atiki yango na balabala. Incident ezanine, c'est que et réduire le sous chaussée et comme balabala comme le sous mukie. Et comme ils sont salités, et ceux qui m'ont dit, Betty, et Zongisi, Mabelewana, Mayuana, Nakati, Abarigol, et boucher encore au caniveau. Ce qui fait que si on avait dépensé 100 000 $ pour déboucher le caniveau, on va encore dépenser un autre 100 000 $ pour faire le même travail 6 mois après. On va encore dépenser 200 000 $ cette fois-ci pour faire le même boulot. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas la culture de l'excellence. Quand on a fait un travail, il faut le faire une fois pour toutes ou ne pas le faire carrément. Et nous voyons cette politique, en tout cas, partout, et c'est la modèle. Comment voulez-vous que les choses évoluent dans ces conditions-là? Et si Mbate, vous allez être là en train de dépenser. Lorsqu'on vous demande, par exemple, de construire des routes, vous allez voir que Mbongo Bimi pour Nabalabala, Mokoboy. Mais 6 mois après, Mbongo Bimi pour Nabalabala, 9 mois après, Mbongo Bimi pour Nabalabala.
au-delà du fait qu'on donne les on donne les marchés aux aventuriers, aux commerçants, et on ne se soucie pas de la qualité, mais il y a aussi un autre problème, ne serait-ce que du sérieux que vous faites. Le sérieux que vous mettez dans, dans ce que vous faites. Vous ne pouvez pas construire une route et ne pas se soucier d'avoir dépendant et retournant. Vous n'allez pas mettre construire une route et vous allez vous caniboter, vous allez vous caniboter, ce qui vous voulez, vous allez vous alors que, ingénieur, l'ennemi numéro un de la route, c'est l'eau. Alors, si vous ne créez pas le chemin pour l'eau, l'eau va créer son propre chemin. Alors, il faut quoi? C'est pourquoi nous avons dit que quand il s'agira de construire des routes, quand il s'agira de construire des projets, des programmes, il y a niveau, il y a travaux publics, essayez de donner la partie technique aux techniciens, la partie politique aux politiciens. Que le politicien ne vienne qu'inaugurer. Vous venez juste au Katabariban. Mais pour la partie technique, laissez ça aux techniciens. Voilà pourquoi moi j'avais vraiment besoin qu'il y ait des commissions ou les alliés politiques, ou de dépendre d'un ministère, pour que Bango Baya vérifie Moussala. Bati qu'il y a la possibilité à marcher, que le ministre ne soit pas celui qui appelle à soumettre le rebond à marcher. Et ça, normalité. Comment le ministre lui-même est là, il dit non, il est dans tout à la marché public. Ce n'est pas le ministre qui doit accorder les marchés dans l'entreprise ou qu'on soumettre l'entreprise dans la compétition ou dans la recherche à marché. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait tout le cas commission, ou le conseil à Moussala ou à Penza. Et vous dépendez peut-être de ta primature, vous dépendez peut-être de ta premier ministre, mais trouvons un mécanisme pour que les ministres ne prennent pas l'argent, pour que le ministre ne soit pas titulaire ou décideur dans Makambouana, que le ministre s'occupe de la fonctionnalité et non de la vie à marché. Parce que ceux qui ministre Mtaza, Mta ministre des travaux publics, ton ministre de l'enseignement, ton ministre de je ne sais quel secteur, mais il faut qu'il y ait des travaux publics et ça dans la naïe. Et c'est lui qui doit, en principe, décider sur qui aura les marchés ou qui ne l'aura pas. Ça ne va pas. Parce que le ministre peut discuter avec un de ses amis, un de ses copains, ou une de ses copines, ou ses neveux, et tout ça. On a besoin de marché. Ou lui-même peut dédoubler. Nous avons dans ce pays une entreprise où Salimi, 6 mois avant obtention à marché. Est-ce que vous pouvez imaginer? Et des marchés des millions de dollars. Aujourd'hui, on appelle que Banyuba Tonga Balabala, mais entreprise a gagné marché, il y a Balabala, là, et ça, et Salemi, entreprise à Salemi, en 2019. Entreprise Salemi, en 2020. Il y a gagné marché, en 2021, pour la Balabala. Ok, bon, c'est bon, il n'y a pas de problème, on peut comprendre. Mais quelle est son expérience dans le domaine où on a zéro. Quelles sont les routes où il s'est construit déjà dans le passé? Zéro. Donc, un monsieur ou une entreprise va commencer expertise, et pas Nabino. Et vous trouvez ça normal, ça ne vous gêne pas. Et pour tout ça, Moutoua Bongo, 20 km, 30 km, 40 km. Et ce qu'on peut monter en gros, 70 millions, 100 millions, 200 millions. Est-ce que toi, sérieux? Toi, sérieux, t'es? Donc, à un moment donné, c'est nous qui tuons notre propre, élan. Bisous, on offre un gros. Parce que ce qui se décide, les lots, la partie technique, il y a l'infrastructure, tout ce qui est en gros, technicien. On va la recruter dans l'organe, dans la commission, on va dépendre de la présidence de la République, dans la primature. Bangonde va dans la commission, Bangonde va dans le côté technique, il va y avoir un dossier. Il va dire, ok, dans le ministère d'enseignement, il va faire un bulletin. Dans le ministère d'enseignement, il va produire une carte d'élève. Dans le ministère d'enseignement, il va faire un banc. Ce n'est pas au ministre d'aller chercher les partenaires ou qui vont faire ça. Ce n'est pas le ministre d'aller appeler qui vont venir souscrire au marché. Non. Nous proposons ceci dans notre 4e République, que la primature ou la présidence va mettre en place une commission qui va, elle, maintenant, se charger de l'exécution des travaux publics. Et qu'on dépend de la gouvernement, et qu'on dépend, pardon, de la ministère. C'est indépendant. Et le ministre, lui, n'a rien à dire. N'a même pas un mot sur celui qui va voir le marché. C'est cette commission-là qui va se charger. Et ça s'est fait dans toute transparence. Et bien, tout fouba par exemple, camp militaire. Bon, ce que ça, et comme un domaine secret, un domaine privé, un domaine secret d'État, ainsi de suite, on peut comprendre. Mais par exemple, un camp de professeurs. Là, il n'y a pas de secret d'État. Camp de professeurs, ça doit être. Et feu marchand, et les gars, ils ont ouvert. Et quoi, ça a gré. Alors, ceux qui marchaient à professeurs, ils ont gré. Ce qui veut dire que l'entreprise qui va gagner ce marché doit avoir une expertise avérée dans le domaine où on a. Il faut savoir que nous moninga il n'est pas tonga bandok par exemple na Mali na tonga déjà bandok par exemple na Togo na tonga déjà bandok na Plastel ou bien même na Congo ah ou anga na tonga qui quand on attra nga tonga kambu c'est peu que ça on peut aller comme ça
Mais nous sommes dans un pays où nous avons vu des gens qui ont construit Bakan et Onatra, Bazatil et l'eau. Bateau Batonga Bakan Onatra on a Bazali, non? Bateau Batonga Bakan Mobutu on a Bazali. Et parce que je parle même du camp Maman Mobutu. Balabala Moko na Maman Mobutu et Koufi. Balabala on a et bébé complètement. Mais il est là aucune solution. C'est prestigieux côté, c'est prestigieux endroit na Maman Mobutu. Balabala, je vous donnerai le nom de la route. Totalement délabré. Comme il y a les boulous penza, c'est-à-dire Balabala Maman Mobutu, comme il y a les boulous, Bateau Maman Mobutu, Bazo s'est retrouvé sauté. Ils se disent, mais cette route, elle était bonne, elle nous permettait de nous déplacer. Aujourd'hui, Balabala ne Koufi. Et ça, on ne peut pas comprendre ça. Donc, je ferme la parenthèse pour revenir dans ce que j'étais en train de dire. Ça veut dire que, bon, Pessi, Yango, non, Bisoto Tonga, Maman Mobutu. Bisoto Tonga, c'était vert. Bisoto Tonga, par exemple, le grand des professeurs, Nayinukin, battu un modèle, ils peuvent avoir le marché, compte tenu expertise, Nabango. Mais, au coquin, qu'on paie ça, entreprise, il y a jardin thé, à Tonga, Tonga, comme professeur. Comment on paie ça? Une entreprise, elle a spécialisé dans la vente des véhicules. Objet social, Naye, à Tekagami, tout cas. Bon, vous pouvez essayer de marcher à Gostonga, à l'hôpital LinkedIn. Parce que lui, son travail, c'est les véhicules, pièces de rechange. Il y a un conteneur dans le monde. Il y a un hôpital LinkedIn. Donc, c'est assez bizarre comme ça. Donc, c'est pourquoi je dis la commission que l'on mettra en place, ça va être cette commission qui va nous aider, nous, Congolais, à voir clair la place dans le monde. Et le DG de cette commission-là pourra être obligatoirement un technicien. Celui qui va voir, qui va regarder, qui va apporter des solutions. Ça ne sera pas quelqu'un qui sera un politicien, non. Un technicien qui fait l'unanimité dans ce domaine-là. Et dans cette commission-là, Azotal, quel est le besoin réel, il y a ministère tel. Le ministère dit, nous avons besoin, par exemple, les babans, ainsi de suite. Bango, bah, t'as réellement besoin. Mais non, le ministère a besoin des écoles, a besoin des bancs, a besoin de... Maintenant, qui va construire les écoles? Ouvrons les marchés. Bah, Polonais bakoti, bah, Congolais bakoti, bah, Malien bakoti, bah, tout baillé. Et ce comité-là va voir maintenant. Ok, entreprise par exemple, Tamboué. Entreprise Tamboué, eh. Ok, bah, t'as l'entreprise Tamboué, Bolinginin, Bilomosalaranin, oh, Tamboué construction construit depuis quand? Oh, ça fait 20 ans, ça va. Boutonga des années, il Tamboué construction. On a envie de tout en qui, bah, immeuble tel, la place tel, tout en qui, bah, école tel, la place tel. Ok. Oh, monsieur, ça y est, oh, Bissot, Maïkandi, construction. Ok, Maïkandi, construction. Nous, Boutonga, il y a vous évaluez. Jusque, nous, vous pouvez ça combien pour vous financer, Nabino? Quelle est la garantie, Boutonga, ou Bissot, Boutonga, que ce que si nous, Boussa, Moussa, convenablement? Oh non, nous, on peut préfinancer, à quelle hauteur? Bon, mon, il peut être convenable. Et c'est clair. Vous leur accordez le marché, il vous faut un boulot. Mais ceux qui te commis à niveau de ticket, le ministre va créer sa propre entreprise, MB Construction, mais ceux qui ont lu objet social, ils vont être à la fleur. Ça ne va pas. Donc, il faut trouver un moyen, comment en amont, arrêter déjà le taux, il y a des tournements, là, il y a des blagues et belles. Comment on va le faire? C'est tout ce que moi je pense qu'il faut corriger. Si nous arrivons à construire ça, vous allez vous rendre compte que Bilomoro va changer. J'entends les gens confondre ce que j'entends dire là, la autorité, régulation, marché public. Ce n'est pas du tout la même chose. Encore que, oh, ils ont les obsolètes, ça ne nous aide en rien du tout. Moi, je ne parle pas que de ça. Je ne vous parle pas que de à qui on va attribuer le marché. Je parle même de le besoin réel. Une étude qui est faite sur le besoin réel d'un ministère. Parce que c'est la partie technique du gouvernement. C'est le conseil numéro un du gouvernement. Le ministre peut dire, nous avons besoin, par exemple, de Totonga Babalabala, mais on a besoin de Totonga, il faut écouter, entre les deux, on a besoin de Totonga. C'est vrai, on a besoin de Totonga Babalabala, oui, mais la maille est aussi mbattée, parce que Placeo est aussi mbattée. Placeo est aussi mbattée. On est dans le marché public sauté. Il y a étude, il y a faisabilité, et il y a un peu de bossal. Le ministre peut décider. Habitons-nous tout ça là, boy, n'a pas poussé la bûche. Monnet, c'est marrant, il y a LMD. Montalamouki n'a pas encore le la LMD. Alors, ce qui est dans la commission modèle, on a avant même quand on a conseil des ministres, on rappelle le ministre, on dit non. Ton idée n'a pas de sens parce que tala. Et nous, on avait fait ce boulot-là, on l'a dit. Depuis ça, le ministre que Elo Golungo Salawana, c'est vraiment de l'illusion. Tika yango et aussi mbate. Il ne nous a pas entendu. Tala Lelo Yomogazongi a zongi la décision. Il est revenu à sa décision en disant non, bon, maintenant c'est pour les classes montantes, et tout ça. Vous voyez? Donc, à un moment donné dans la vie, il faut parfois écouter les gens. Quand on vous dit des choses, ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas. C'est parce qu'on veut que les choses se passent bien.
Et surtout quand on a passé tout son temps à donner des leçons aux gens et qu'on a le pouvoir maintenant, et comme ça là, et comme c'est compliqué, ça nous amène toujours dans ces choses-là. Et donc, aujourd'hui, on va tout ce qu'on va se rappeler. Ce que vous serez le ministre, oh, depuis il y a, au Bima, toutes les décisions aux autres, ils allaient encore contredire, ils allaient attaquer, revenir dans ma décision. Et ça, c'est pour dire que parfois dans la vie, il faut tirer seulement quand on a ciblé. Donc, quand on aura cette commission-là, au-delà de cette, votre histoire obsolète, il y a autorité et régulation, quand on aura une commission beaucoup plus forte, beaucoup plus assise, tous ces problèmes-là dont on est en train de parler, on n'aura plus ça. Il y aura une certaine coordination, Yamoussa. Voilà un peu ce qu'on appelle il y a Kinshasa zéro trou. Je vous donne ça par exemple. Le gouvernement sort un truc, on va faire un Kinshasa zéro trou. Non, si on avait cette commission-là, il allait dire au chef, non, 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 monsieur le Premier ministre, c'est une mauvaise idée, ce n'est pas une bonne idée. Ça ne peut pas nous aider, voilà ce qu'on peut faire. Voilà ce qu'on peut faire. Donc, même au-delà du fait que beaucoup à la niveau, à qui on va attribuer les marchés, il faut d'abord regarder la nécessité des projets en question. Est-ce que le projet, il est intelligent? Est-ce que le projet, il est prometteur? Est-ce qu'il n'y a pas un autre projet meilleur que celui que vous proposez? Est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative? C'est comme ça qu'on fait quand on veut faire bien les choses. Tu ne peux pas te réveiller un matin, tu dis, je vais coller tout le trou de Kinshasa. Mais attendez, c'est quoi cette histoire? Comment vous allez coller tout le trou de Kinshasa? Quel est le trou que vous allez coller? Quel est le trou que vous n'allez pas, que vous n'allez pas coller? Par contre, si vous voulez réhabiliter des routes, ça va. Parce que ceux qui balabalent les a, par exemple, le 200 mètres, et là, on a ma boulou 27, bozipi ma boulou wana. Mais qui vous dit qu'il y a un boulou du matin? Parce que le boulou et le koloba, et dans ma signe, précurseur avec balaba et bandit kobeba, et dans ma signe. Il y a un boulou, c'est comme quelqu'un qui est malade et tu lui donnes juste des calmants. Non, quand quelqu'un est malade, faites le diagnostic qui est malonga et puis apportez des solutions, des traitements durables. Ou vous n'allez pas venir colmater les trous dans la route, non. Venez réhabiliter les routes quand elles sont mauvaises. Au lieu de venir donner des petits trous, bozipia, ça n'a aucun sens. Or, ceux qui bolingi, si comme on a réhabilité, on aura un coût sur le transport, on aura un coût dans l'embouteillage et aussi mbaté. Ce qui peut marcher maintenant, c'est d'abord, avant de projeter le combat de l'ONA, faites d'une pierre deux coups. Vous réhabilitez, pardon, vous désengorgez quelques routes secondaires, mais quand même d'une grande importance, qui permettent de déboucher à Malonga, ça vous permet en même temps de prendre le temps de Kukanga Balabala Minene pour que vous réhabilitez. Parce que lorsque vous avez fermé des grandes voies, Bukangi Yango, alors que aussi vous désengorgez qui, la route secondaire, les gens peuvent trouver déboucher à Bango, comme il y a et bon, ça méthodiquement. Là où il y a beaucoup de trafic, vous évitez de bloquer ceux qui vont créer un chemin souté. Et ça se passe de façon ordonnée. Bana Kinshasa, Bato Tubazo Tamasina, Bato Tubazo Tachangu, Tosengimino Boleka, par exemple, avenue Kulumba, c'est un exemple. Avenue Kulumba, et que Mabino Tina poids lourd. Botika tronçon à Lumumba pendant deux jours ou trois jours, tout ça, travaux. Les gens comprennent. Et les gens, le matin, quand ils se réveillent, ils prennent Kulumba et ils disent, par exemple, na poids lourd, Bazo Nzela Moussous. Tant que vous avez dit Lumumba, vous avez dit que vous avez Kulumba. Boza sou Kulumba te, boza Lumumba, parce que donc de bon sa Kulumba. Bon si Kulumba on a tina sou kona. Mais c'est comme on y va doucement et méthodiquement. Tout ça n'a pas beaucoup à l'engue te mbang mbang ou te. Ozo zanga batou na ba ministre na biso pour la plupart des cas, ils ali un, capacité d'abonga koyoka. Deux, ba lingi ko zombongo rapidement et très facilement. Trois, baza na souci à ta mon côté. Et le cas où je suis en train or, ceux qui ont dit que je suis en train de me faire comprendre que non, non. Pourquoi aller vite dans ma cambo? Comment nous pouvons imprimer, excusez-moi de vous dire, un bulletin? Tout le faire comprendre. Comment nous pouvons imprimer un bulletin à près de 18 000 dollars, à peu près de 18 millions de dollars, alors que nous sommes carrément imprimerie à Mounen et à Bino, et pour toujours, pour Namboka? Vous voyez comment les gens sont vicieux, hein? C'est-à-dire, vous avez besoin de quoi imprimer un bulletin, alors que vous avez besoin de 18 millions, même à 10 millions, parlons-en. Même à 10 millions. Mais c'est une honte que vous avez imprimé un bulletin à 10 millions de dollars. 5 millions de dollars, c'est-à-dire, usine à or na Rwanda. 5 millions de dollars, c'est-à-dire, usine à tomates dans Nigeria. 5 millions de dollars, c'est-à-dire, usine à Minene, na place Ebélé. Donc, 5 millions de dollars, et ça, vous avez besoin de quoi imprimer. 5 millions de dollars, ils ont gagné notre bosomba, usine de fabrication, il y a un carton. Donc nous pouvons en même temps avoir une imprimerie nationale, aux produire un bulletin. Nous avons un diplôme, nous avons un bulletin.
on le fait à la demande, et nous pouvons avoir une autre entreprise spécialisée kakana pour fabriquer bah carton wana. Au moment que le coût et vous allez véritablement mouquier, parce qu'en ce moment là, l'État sera le premier pourvoyeur de bah diplômes, même pour les écoles privées. Les écoles privées seront des clients maintenant, des clientes de l'État. Bah entreprise nous sommes la cliente. Il y a l'État, et c'est comme ça que l'État peut compenser. Bon, on a à cause de la place telle, à cause de la place telle. Mais maintenant, ce qui est bien, c'est-à-dire que les gens refusent de contacter, de posséder l'imprimerie. Il y a rien de moins l'État. Non, l'État, pas le pauvre l'État, non. Les animateurs veulent bouffer de l'argent. C'est ridicule, non? C'est-à-dire que l'État est incapable d'acheter des caméras. Mais pour aller louer des caméras, il est prêt à débourser 2 millions de dollars. Or, avec 2 millions de dollars, vous avez déjà beaucoup de caméras. On m'a dit, ils veulent rester locataires pour justifier mon bien, alors que l'État congolais, est-ce que vous savez que l'État congolais, ça peut-être vous pas quitter, est-ce que vous savez que l'État congolais, le ministre Bélé, baba locataire, l'État loue chez les particuliers, pour le ministre Naye. Mais pourquoi l'État ne construit pas carrément des maisons ou un camp des ministres? Ou pourquoi l'État ne construit pas des maisons et des ministères? Quand vous êtes nommé ministre de tel, vous allez vivre dans cette maison-là. Et ce n'est pas un choix, c'est une option, c'est une obligation. Si vous vivez dans l'État, vous vendez dans l'État, et le frais là, écoutez, non, c'est une question de caractère et de vision. On ne peut pas tolérer à ce que l'État continue à être locataire alors que l'État peut acheter des biens. Tout ça parce qu'ils veulent bouffer. Au moins, enveloppe à location maintenant qu'au ministère, au Kangamatoï. Alors qu'en réalité, on a coûté 3 000 dollars, mais on aura 40. On aura 7 000, 8 000, 9 000. Or, ce qui est l'État, on dit que l'État est un ministre, on va dire que jour où il y a un inventaire, on va dire qu'il y a un chauffage, il y a un Tango Bimi et le Gomoré Baby, c'est à tes frais, tu payes pour ça. Parce que nous connaissons les vicieux, des gens à qui on donne un véhicule, à l'ongoli moteur, à Moutoukawana, à Tiena Moutoukanaï privé, Moutoukanaï Baby, Matima Banga. Non, non, l'État dit non, pas question. On a des chauffeurs, on a des mécaniciens, il y a l'État. Quand tu quittes la maison, on vient voir l'inventaire, au Kotaki Koutaki Rideau, au Koutaki Bo, au Koutaki Bo, au Koutaki Bo. Tant que Bima, ça y a le même inventaire. Ce qu'il n'y a, au Zatena liste, au Sombi avant Bima, tu payes. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient à vivre là-bas. C'est comme la Maison Blanche, non? C'est comme la Maison Blanche. Le ministre, le président, oh, depuis Troubman, Tilelo, Bafandaouana. Bush est passé par là, Clinton est passé par là, Eisenhower est passé par là, Delano, tous sont passés par là. Alors. Comment tu vas dire que foutre l'indakou, Voilà un peu, messieurs et dames, ce dont je voulais parler ce matin. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse la RDC. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums du corps. Contactez-nous au plus 33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout, Congolais!